Have you seen that day? When you tell me you never go touch her, but I see you touch her. Hey, have you seen that day? Biennale existe et c'est formidable. C'est la seule dans ce genre en Afrique et c'est la seule qui existe encore. I think the quality of all the work here at the Biennale is really, really high. I didn't even know that there were prizes to be awarded, so it was both exciting and surprising to have won. Parce que moi, j'essaie de toucher l'âme de tous ces signes qui ont permis à l'humanité quand même de garder son histoire et de proposer un certain type de savoir. Et c'est ce rapport entre le graphique et le métaphysique aussi qui m'intéresse. J'ai lu une phrase qui m'avait fait plaisir. Les œuvres d'art permettent à des gens qui n'auraient pu jamais se voir de se rencontrer. C'est tellement beau. C'est pour ça, c'est en fait cette espèce d'échange qui fait que c'est bon en fait de créer. Je pense que l'Afrique a vraiment besoin d'être reconnue pour ce qu'elle est. Aujourd'hui en Afrique, nous voyons des artistes qui partent de rien. À partir de rien, il faut quelque chose d'extraordinaire. Par contre, il y a une chose, ils parlent trop d'artistes africains, artistes je ne sais quoi. Je suis Delphine Calmette, je suis responsable des arts visuels de l'Institut français depuis 2009. Et en particulier, je m'occupe de la programmation de ce lieu qui s'appelle la Galerie Le Manège. Ici, ça s'appelle Cœur Thiossal. C'est un lieu artistique indépendant qu'on appelle Villa pour l'art et le multimédia, qui existe depuis 2002. Dans Afrosiders, il y a Insiders, c'est-à-dire que nous sommes convaincus qu'aujourd'hui, la culture doit s'exprimer depuis l'intérieur, depuis le continent africain. Culturelle, elle mobilise pas les foules au Sénégal en termes de financement, donc c'est vraiment des postures de combattants et des postures d'activistes que tu retrouves auprès des acteurs culturels. Donc on a débarqué ici il y a une petite semaine maintenant et on a notamment participé à un atelier, enfin organisé un atelier aux Parcelles Assainies à l'école ACAPES, avec des enfants et des adolescents qui ont donc produit des bandes dessinées. Ça, c'est le cœur de la visite des citoyens. On ne peut pas penser à la Biennale de Dakar sans cet aspect du off. Bon, la Biennale, c'est vrai que souvent, je me plais à le dire, on est dans le cadre du programme off, mais bon, un off quand même qui est assez consistant. On est tous de Dakar, on travaille tous au Sénégal. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici vraiment toute la diversité et tout le côté cosmopolite de Dakar. C'est vraiment un acte pur et dur que d'être galériste. Et certainement pas quelque chose qui va nous permettre de vivre. Donc on le fait par amour, hein, par pur amour de la chose.